beaucoup. Alors, on va faire la carte sketch. Je suis en Normandie et je me suis dit je vais m'avancer pour mercredi parce que je suis pas sûre que mardi je vais avoir beaucoup le temps de le faire. Voilà. Donc, c'est ça la carte sketch. Elle n'a pas l'air très compliquée, mais bon, il faut quand même calculer au niveau des carrés ce qu'on veut mettre. Alors, je vais prendre ma base de carte. Bon, il y a des mesures, mais comme c'est en inch, je vais pas faire attention aux mesures. Alors, je prends une base craft. Souvent, on prend ça. On aime bien. Je vais faire comme d'habitude. Je vais couper ma feuille A4 en deux. Alors, la moitié, c'est 14, presque 15, 14, 14,8. Voilà. Tac. Je vais venir plier ça en deux. Il est où le pliroir, mamie? Je vois pas. Il y en a un là. On va prendre ça. Hop, je vais plier ça en deux. Voilà. Ah bah oui, mais si je le plie de travers, ça commence mal. Hop. Voilà, ça c'est ma base. Une feuille A4 divisée en deux. Et plier. Et là, il y avait des mesures hein, quand même. Il y avait marqué 4 inches, un quart sur 5 inches et demi. Bon, j'ai pas voulu traduire. Ensuite, je vais faire un matage. Voilà, j'ai attrapé un des premiers blocs qui me venait sous la main et j'ai pris celui-là. Voilà, dans les blocs à mamie. Donc on va faire un matage. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre. Il n'est pas là au complet, au complet. Alors il s'est très très fleuri. Hein. Je pense que je vais prendre un peu de ça tout à l'heure. Bon, il n'y a plus trop de couleurs unies. Bah, je vais prendre ça. Hein. Parce que je pensais qu'il y avait la. Je pensais qu'il y avait encore un comme ça, mais non, il n'y a pas. C'est pas grave. Je vérifie. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, le plus uni que je puisse avoir, c'est celui-là. Donc, je vais le prendre. Et on va faire. Donc, 14. Non, on va prendre là comme ça. Ça, c'est. Là, ça fait 10 et demi. Donc, on va prendre 10. On enlève 5 mm. 10 sur 14,3. Hop. Voilà. Normalement, c'est pas bon. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait des bêtises. J'ai fait, bah oui, j'ai fait 13,3, ça peut pas aller. Donc on recommence. 10 sur 14,3. Pas 13,3. 14. Bah oui, c'est mieux. Voilà. Effectivement, c'est mieux. Voilà. Donc ça. Je vais venir le coller tout de suite. Ça sera. Ah non, je vais mettre de l'encre. Bah oui. On ne change pas. Je vais venir mettre de l'encre ici. Tout autour. Hop, 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 hop. Bon, ensuite, au niveau des dimensions, il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Même pas où je l'ai mis ma hop bah oui si la colle elle est fermée ça va pas coller tac 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 hop faut faire attention à bien en mettre quand même sur les côtés mais pas trop sinon ça ressort donc
Voilà. Waouh, pour une fois, je l'ai pas mis de travers, hein, du premier coup. Ensuite, elle est où mon modèle? Elle est où ma modèle? Alors, ensuite. Un matage. Ça, c'est fait. Donc, du coup, on va prendre des petits carrés. Il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en faut 8. Mais. Ça fait 10 cm. Il faut que j'en mette 3. 2, 4, 6. Que j'en mette 3. Je vais voir. On va prendre une bande là. On va faire des bouts, bah, environ 2 cm. Je pense que ça devrait suffire. On va faire du 2,1 quand même, hein. 2 cm. Ça paraît petit, 2 cm. On va avoir 2,5. Non, on va faire 2. Au pire, je recommencerai. C'est pas grave. 2 cm sur 2. Sur 2. Sur 2. Ah bah oui, hein. Encore. Alors là, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. On va voir si on arrive à faire quelque chose. C'est peut-être un peu trop petit. Ouais, c'est un peu trop petit quand même, non? 1, 2. 3, 1 et 2. Ça me paraît un peu petit. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire 2,5, on va voir. Deux et demi. Alors, 2,5. 2,5. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il va pas m'en manquer beaucoup. Ah si, je vais pouvoir faire les 8 dans la bande. Bon, bah ça c'est parfait. Hop, ça je le redresse un petit peu. Voilà. Peut-être un peu trop grand celui-là, non? 2 et demi. Ouais, enfin. Allez, normalement j'ai les 8. Donc là, ça me paraît trop petit par rapport au modèle, quoi. Attendez, faut que je regarde si je suis bien centrée encore. Ouais, c'est bon. 1, 2, 3. Alors sinon, 1, 2, 3. Ouais, c'est mieux quand même. Ouais, c'est mieux, je pense. C'est plus équilibré, on va dire. Celui-là, il me paraît plus grand. Ah bah oui, forcément. Bah il m'en manque un. Ah non, il est là. Voilà, 2,5. Oui, c'est mieux. On va ancrer tout ça, comme d'hab. Elle est où l'encre? Elle est en dessous. Voilà. Faire pareil pour les 4, les 4. Non, non, les 8. Mais sur le craft, ça se voit pas des masses en fait, hein, qu'on a mis de l'encre. Mais bon, ça va le faire quand même. Si, quand même, on voit une différence entre cela et cela, hein. Voilà, on en est à la moitié, il en faut encore un peu. 1,
1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore deux. Tenez bon. On arrive au bout. Hop, et encore un. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et voilà. Et oh. Bah oui, je voulais souffler sur la mousse, du coup, forcément. Donc, ça, je vais les coller direct avant de les perdre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Je les colle tout de suite. Après, on verra pour la déco. Je ne sais même pas ce que je vais mettre. On verra bien. Bah, je vais mettre celui-là au milieu d'abord. Voilà, 1. Je les ai trop serrés ceux-là. Pire, je vais les décaler un peu. Celui-là, je le décale un petit peu. 1, 2 et 3. Ah, sur les paillettes. Ça a plus de mal à coller sur les paillettes en général. Hein. Hop. Un, deux et 3. Et les deux du côté, ça devrait tenir. Voilà. 1. Voilà. Et le dernier, on vient le placer là. Alors, c'est pas très droit. Je vais essayer de m'aligner là avec la règle comme ça. Voilà. Alors, on a l'impression que c'est pas droit parce que les traits du dessous, ils sont pas droits. Donc, on a l'impression que c'est pas droit, mais je pense que c'est droit. Voilà. Alors, ensuite, il me faut un grand carré ici. Donc, on va essayer de voir à peu près ce qu'on peut faire. 5,5, ça devrait le faire, je pense. 5,5. Allez, on va essayer 5,5. Si ça va pas, on recommence. Donc, bim, 5,5 sur 5,5. Est-ce que vous pensez que ça va aller? Moi, je pense que ça va. Non. Non, je pense que... Il faut que je fasse 6. Parce que... L'espace là, il me paraît trop large par rapport au, voyez, par rapport au gabarit. Donc, on va essayer 6 sur 6. On va voir. 6 sur 6. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je préfère. En plus grand comme ça. Donc pareil, on va l'ancrer. Et après, on aura juste à décorer. Ça fait limite mood board. Hein. J'en rajoute parce que le craft, il boit vachement l'encre. Hop. Voilà, donc au niveau de l'encre, j'ai fini. Ça, je n'en veux plus. Donc du coup, j'ai sorti le bloc pour pas m'en servir. Mais si, j'ai pris une feuille. Je crois que je vais prendre des décos dessus. Je vais peut-être découper des feuilles, des petits papillons, des petits machins. Ça, j'avais pris les petits papillons tout à l'heure. Ouais, je pense que je vais prendre, vous voyez, si je prends un petit papillon de là, ça devrait le faire. Donc, oh bah oui, je me suis dit, j'arrive pas à l'ouvrir. Si je prends un petit papillon ici,
Ça devrait le faire. Ou à moins que je coupe. Ou à moins que je coupe du 2 sur 2 là. Ça pourrait être sympa aussi. Bon, je vais finir de le découper lui, mais moi je crois que je vais faire autrement. Je crois que je vais faire une bande de 2,5. On va voir. Je vais prendre ici. Je vais couper, on va dire entre les deux là. Voilà. Et je vais essayer de prendre là une bande de 2,5. Ouais, c'est peut-être un petit peu. Ah, maintenant c'était deux qu'il fallait que je prenne. Non, ça va pas le faire. Les papillons sont trop grands. Les papillons sont trop grands. Donc je vais voir si je peux pas mettre autre chose. En faisant 2 sur 2. Là, les papillons, ils sont grands aussi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ou à moins que je fasse un petit peu en... Oh, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va essayer quelque chose. 2 cm. On va essayer de couper 2 cm ici. Allez, hop. Oh, ça ne le fait pas du tout. Ça les a coupés entiers. On va pas mettre les papillons. On va mettre que les fleurs. Hein. On va faire 2 sur 2. Et on va mettre que des fleurs. 1, 2, voyez comme ça, que de la fleur, que du fond, non? Si je coupe deux là, hop, et deux, et deux, et deux, et deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors ça, je vais pas le prendre parce qu'il y a l'aile de papillon. Celui-là, j'en veux pas. Sept et huit. Voilà. Je vais prendre tous ces petits bouts là. Hop, je les fais passer par là. Et je vais venir les placer sur mes petits carrés. Parce que sinon, il n'y aura pas de. Sinon, ça fait pas de déco. Donc, je vais faire ça. Pim. Peut-être que je l'ouvre ma colle encore. C'est pas la première fois. Hein. À chaque fois, ça me fait le coup. Donc. Tiens, si je les mettais de travers. Bah ouais, pourquoi pas? Ça pourrait donner un genre. Ah, faut que je les ancre avant. Ça tient pas, ça colle pas. Je vais faire 1 sur 2, je crois. Histoire de faire un petit style. Ouais, ça peut le faire. Allez. Celle-ci, on va la mettre, ce morceau-là. On va le mettre de travers aussi, voyez, 1 sur 2. Pourquoi toi tu veux pas coller? Hop. Un peu d'encre.
Bon, je vais tous les ancrer, ça sera fait. Voilà. Des fois, il n'y a pas besoin de remettre d'encre à chaque fois. Hein. Sur des petites surfaces comme ça, la mousse, elle est bien imbibée. Il n'y a pas besoin à chaque fois de retremper. Des fois, c'est instinctif, on retrempe à côté. Mais je sais que des fois, je le fais, mais j'ai pas besoin parce qu'il y en a encore de l'encre dessus. Voilà. Hop. J'avais dit tout à l'heure que c'était fini pour l'encre, mais finalement, je m'en sers. Hop, celle-ci, je vais la mettre droite. Celle-là, je vais la mettre de travers. Celle-là, je vais la mettre droite. Et celle-là, de travers. Non, celle-là, je vais la mettre ici. Comme ça, il y en aura une droite ici. Voilà. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Le petit papillon, là, je suis pas sûre de m'en servir. Et ici... Ah oui, je voulais mettre ça. Un beau papillon, là. Je vais lui piquer un beau papillon, mamie. Ici. Vous lui direz pas, hein. Non, on lui dira rien. Hop, et voilà, un super. Ah, ils sont beaux, hein. Ils sont beaux. Voilà. Alors, je ne sais pas, t'as des trucs avec des petits sentiments ou pas? Avec des... J'ai des tampons, j'ai des... Ah, non, t'as pas les trucs noirs là où il y a les mots tout faits. J'ai les tamponnages tout faits en bas, là, mais il faut que ça corresponde. Il y en a tout là. Où ça? Dans la boîte de bonbons là? Dans une boîte blanche, dans plusieurs boîtes. Dans plusieurs boîtes. Il y a plusieurs, il y a de tout. Il y a du joyeux Noël, du joyeux Pâques, il y a de tout. Non, c'est pas ça. Aussi. En bas? Oui, en bas. Quoi. Ah oui, là. Oh, bah si, je vais en trouver un truc. Il y a plein de trucs là-dedans. C'est quoi ça? Ils sont tous mélangés. On va bien trouver quelque chose. Hein. On va bien trouver. Bah voilà, un petit merci ou je sais pas quoi. Bonheur. Allez, bonheur. Et où bonheur? Il est où? Il vient pas. C'est joli moment de bonheur. Bah parfait. Je peux prendre ça? Ah oh bah. Non. Tu peux. Elle a dit non. Oh, bah. C'est vraiment, j'ai dit non, hein. Bah, je vais le mettre entre les deux là, comme ça. Non, on verra plus le papillon. Ah, il est trop grand. Non, il m'en faut un plus petit. Et, il en faut un plus petit. Hop. Un petit merci là, peut-être ça suffirait. Ouais, je vais l'ancrer, bien sûr. Hop. Ben, on s'en sort pas si mal hein, au final. Un petit merci là entre les deux. Bah ouais. Ah, je l'ai pas mis de travers celui-là, mince. Hop. Attention, c'était pas trop grave parce que on va pas le voir beaucoup. Un petit merci ici. Et est-ce que je remettrai pas mon petit papillon là que j'ai découpé? On va le mettre hein, quand même. Je mets un petit peu sur les contours, comme ça on verra pas trop le blanc que j'ai mal découpé. Et je vais venir le mettre là. Hop. Non, là, ça me plaît pas trop. Je vais le décaler. Voilà. Et bah dites-moi, c'est pas si mal, hein. C'est pas mal. Ouais. Bon bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Ça c'est le format et ça
C'est ma création. Est-ce qu'on voit bien? Oh bah oui, on voit super bien. Parce que j'ai pas de retour avec le trépied comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine carte sketch avec Caro et Mamie Cole. Voilà, allez, des bisous, à plus.